Ça a l'air bon. Donc je vais enregistrer et puis je vous mettrai ça à disposition plus tard en espérant que l'enregistrement aura bien fonctionné. Ok, donc j'ai un package humain, hein, vous le voyez ici, là à gauche, dans Eclipse, dans mon TP3, dans les sources, j'ai un package humain dans lequel il y a une classe personne. Alors je vais faire un petit coup de copier-coller, hein, je suis un feignant comme tous les informaticiens. Donc je vais prendre la classe personne, je vais reprendre celle que j'avais déjà faite dans le TP2. Ok. Et puis voilà. Alors c'est et puis dans personne. Voilà, je vais le recréer ici. Voilà. Ok. Donc ça, je l'ai rangé dans un package humain, donc tout va bien. Alors, je ne me souviens pas si j'ai une classe compte en banque qui traîne quelque part, je ne me souviens plus. Ouais, j'avais dû faire ça comme exemple dans le cours probablement, mais c'est pas grave, je peux la recréer. Je vais me créer une nouvelle classe qui s'appelle. Donc un nouveau package, pardon, qui s'appelle banque, dans lequel je vais mettre toutes les classes dont j'ai besoin pour simuler mon système bancaire. Donc là, c'est vraiment très primitif, pardon. Mais je vais me créer une classe compte en banque, voilà. Hein, ou compte bancaire, nommez-la comme vous voulez. Hein, donc toujours pareil, hein, vous voyez que là, elle est créée dans le package banque. Très bien. Alors, qu'est-ce que je vais mettre dans un compte en banque? Ben, par exemple, en champ privé, je vais lui mettre la position du compte, je ne sais pas comment vous appelez ça. Voilà. Ou le... Bonjour, pensez à y marger, je ne sais pas où elle traîne la liste d'émargement, mais pensez à le faire. Voilà. C'est la valeur qu'il y a. Ah, ok. Enfin, le dépôt, je sais pas, la Le valeur de. solde. Ou la. Pardon? Le solde. Si vous voulez, solde. Oui. Ok. Appelons-le solde, si ça vous convient mieux comme terminologie. Et puis, il y avait quelques opérations dessus. Donc, hein, je vous rappelle que je le mets en privé, parce que ça, c'est une donnée technique que je ne souhaite pas que n'importe qui puisse y accéder. J'ai envie de faire ce que je veux avec, de le représenter sous la forme qui m'intéresse. Et je ne veux pas que ceux qui utilisent enfin, les parties du code qui vont utiliser le compte en banque, puissent accéder directement à cette partie-là qui est une donnée technique. Okay? Donc, par contre, je vais donner accès à cette partie-là via des services. Hein. Donc, je vais avoir un service qui va me permettre, par exemple, de lire ce compte en banque. Donc, je ne sais pas quoi, je vais l'arriver. Alors, par exemple, j'ai une opération consulter. Hein. J'en sais rien. Voilà. Donc, si vous consultez votre compte en banque, ça va vous renvoyer la valeur qui est stockée dans ce compte en banque. Okay? Donc là, mon implémentation est triviale, ça me renvoie directement le solde, mais ça pourrait être beaucoup plus compliqué. Ça pourrait être le solde multiplié par un facteur qui est je sais pas quoi, parce que le solde, est, en fait, c'est des dollars, et vous voulez consulter ça en euros, donc je vous renvoie la valeur en euros avec le change courant, j'en sais rien. Ou même ce solde n'est même pas présent dans le compte en banque lui-même, hein, dans l'objet, mais il pourrait être très bien stocké dans une base de données. Donc s'il est stocké dans une base de données, en fait, quand vous faites consulter, ça va lire la base de données, vous renvoyez la valeur consultée. Donc en fait, je suis libre, hein, en passant par des services, de réaliser le service comme bon me semble. Ok. Donc ça, c'est consulter. Il y a d'autres services comme je sais pas quoi, réaliser un dépôt. Voilà. Donc je peux déposer. Hein, je peux déposer. Je peux déposer une valeur sur mon compte en banque. Très bien. Donc ça correspond à faire quoi? Ben, ça va faire une opération. Solde, je vais lui ajouter justement la valeur qu'on lui transmet. Hein, et voilà. Et puis une autre opération qui est le retrait. Hein, dépôt, retrait, voilà. Hein, donc je peux retirer. Alors voilà. Voilà. Et puis quelle valeur je vais retirer? Int valeur. Voilà, je demande à retirer une certaine valeur. Solde plus égale valeur. Voilà. Alors j'ai oublié de mettre des points-virgules, mais voilà, ça correspond à peu près à ça. Et puis, il y a une précaution que je dois prendre assez systématiquement maintenant. Je crois en avoir discuté à différents moments.
Mais par exemple, pour personne, hein, ce qui est agréable, alors je pense que je l'ai fait ici, hein, rappelez-vous que quand vous voulez afficher un objet, eh bien, si vous voulez que cet objet s'affiche agréablement, pour afficher un entier, vous faites System.out, println i, ça se combine avec des chaînes de caractères, ça marche pour les floats, ça marche pour les booléens, ça marche pour tout. Maintenant, comment est-ce que ça marche avec mes propres objets à moi, si je veux afficher une personne, de façon simple, en faisant simplement System out println de P si P est une personne. Alors, je vous rappelle bien sûr que, malgré le temps passé, quand je dis que P est une personne, c'est faux en Java. La véritable phrase, c'est si je veux afficher la personne qui est désignée par la référence P. Hein? Voilà. Eh bien, si je veux faire ça, en utilisant simplement quelque chose de l'ordre de System out println P, eh bien, il faut que l'objet correspondant à P, l'objet qui est référencé par P, est une méthode qui s'appelle toString et qui renvoie une string et qui bah, me renvoie une chaîne de caractères qui me représentera de façon agréable l'objet. Donc je vais faire pareil pour compte en banque. Hein, si je veux pouvoir afficher un compte en banque avec, je ne sais pas, formaté d'une façon spéciale, hein, toString, pardon, toString, voilà, et bien je dois implémenter une méthode qui s'appelle toString. Hein, alors, je vais m'empresser de mettre devant override. J'expliquerai après pourquoi un petit peu plus tard, aujourd'hui aussi. C'est pas strictement nécessaire, mais je le fais et vous verrez que ça prendra du sens tout à l'heure. Et puis, qu'est-ce que je fais ici? Ben, je sais pas quoi. Je fais un affichage en disant le solde est. Et puis voilà. Je vais fournir. La valeur du solde. Voilà, donc ça veut dire que si j'affiche un compte. Pardon, je sais pas pourquoi je mets une parenthèse, voilà. Ok? Donc le service toString TO avec un S majuscule TRING, il sera utilisé pour manipuler agréablement les comptes en banque. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je vais peut-être me faire un autre package qui va être un package, je sais pas quoi, j'appelle principal, par exemple. J'ai pas de nom. Très malin, mais ben, ici à fournir, mais c'est pas grave, dans lequel je vais mettre des classes, hein, et dans lequel je vais mettre des classes qui vont utiliser ça, c'est-à-dire que là-dedans, dans le package principal, très souvent, on va avoir la mécanique générale de l'application. Et l'application, on verra après, ici, ça va être une application toute bête, mais elle va consister à assembler des objets, je l'ai déjà dit, c'est le but de la programmation objet, c'est de fabriquer des objets, donc de décomposer le problème en concept simple et bien identifié, personne, compte en banque, fenêtre, base de données, j'en sais rien, hein. Et puis d'assembler tout ça, et puis de mettre une grande mécanique qui va faire en sorte que les choses se déroulent dans un sens ou dans un autre. Alors, je vais donc me mettre un autre package que j'ai appelé principal, c'est pas grave, il y aura ma classe principale où je vais dire, je sais pas quoi, je sais pas comment la nommer, mais je vais la nommer mon application, c'est pas très important ici, peu importe. Voilà, ça représentera ça. Et puis dedans, je vais mettre un main. Hein, voilà, il faut bien le point d'entrée de mon application. Donc voilà. Alors, elle va pas faire de choses très intéressantes, mon application ici. Par exemple, je vais juste tester si les choses fonctionnent bien. Donc, je vais me déclarer une classe personne. Alors, pardon, je vais me déclarer une personne. C'est faux. Hein, je fais un abus de langage. C'est très important de continuer à en être conscient. En fait, ici, je me déclare une référence personne. Et si je veux créer une personne, je n'ai pas le choix. Il faut que je fasse un new. La seule façon de créer des objets en Java, c'est à un moment ou à un autre de faire un new. Alors il peut être caché, hein. Vous pouvez appeler une fonction qui fait le new, qui vous renvoie là. Bon, d'accord, mais c'est voilà. In fine, il y a la classe personne. Enfin, l'instanciation, la création d'une instance de la classe personne, on appelle ça une instanciation. Alors évidemment là, alors vous voyez que Java n'est pas content, il me dit classe personne c'est bien gentil, mais je ne connais pas la classe personne. C'est normal, hein, Java, qu'est-ce qu'il fait ici? J'ai commencé à mettre des packages. Donc en fait, mon application, elle a bien des classes. Ces classes sont placées dans des packages. J'ai dans le package banque le compte en banque, dans le package humain la classe personne, dans le package principal la classe mon application, ça c'est pas un souci. Mais dans la classe mon application, je souhaite utiliser la classe personne. Du package humain. Alors comment est-ce que je résous le problème? Bah, c'est qu'en réalité, la classe personne, elle n'existe pas en tant que telle. Son véritable nom, il est contextualisé par le package dans lequel cette classe a été placée. Voilà. Donc son véritable nom, c'est humain.personne. Ok? Voilà.
Donc je peux l'écrire explicitement. Voilà, hein, ça c'est une façon de faire. Alors, si m'importe le paquet, tu... Oui, oui, donc je vais revenir là-dessus. Ah, okay. Hein, je vais revenir là-dessus. Alors attendez, une petite seconde, Iral, add argument, tout. Alors, ok, d'accord, très bien. Alors évidemment, il y a des paramètres à mettre, je ne sais plus, hein, j'ai fait comme vous, je n'ai rien révisé avant de venir. Donc nom, prénom, adresse et puis date de naissance, donc allons-y. nom, prénom, alors je vais me créer moi-même, hein, je vais me créer un avatar numérique, tout va bien. Voilà, JB1S et puis adresse, ok, je sais pas où, peu importe. Voilà, ça sera mon adresse. Et puis ma date de naissance, il faut que je crée une date. Alors j'ai créé les dates comme j'ai décidé que c'était des dates de Java. Donc peu importe, je vais me rajeunir un peu. Voilà. Alors vous voyez que c'est pareil hein, pour la date IRAL, parce qu'il me dit attendez, c'est bien gentil, vous me dites classe date. Dans le package principal, il n'y a pas de classe date. Il me dit elle sort d'où cette classe date ? Est-ce que donc j'ai la possibilité de laisser Eclipse de m'en créer une, parce que je pourrais, ça pourrait être une classe date à moi que j'ai envie d'inventer, j'ai envie de manipuler des dates comme bon me semble. Est-ce que j'ai envie d'utiliser une date particulière de Java? Alors bien sûr, le nom que je vais utiliser, moi c'est Java Util Date. Ok, voilà, ça tout va bien. Si je fais System Out println, donc là, println, j'affiche P, voilà. Alors c'est pas vrai, j'affiche pas P. J'affiche l'objet désigné par P, hein, ce qui est un peu différent. Donc essayons, je vais juste exécuter ça, ça devrait fonctionner, voilà, si je n'ai pas fait de bêtises. Voilà, JB1S, il habite à A, il est né, voilà. Alors l'affichage de la date est mauvais, je me souviens très bien, certains d'entre vous avaient remarqué ça. Oui, la classe date, c'est pas une bonne classe, voilà, c'est une classe qui est censée être obsolète. C'est d'ailleurs indiqué par Eclipse lui-même. Vous voyez qu'il m'a souligné ça en jaune pour me prévenir, attention, hein, en jaune, donc il souligne en rouge les erreurs et il souligne en jaune les warnings. Hein. Donc les warnings, vous méfiez-vous. Je sais que vous allez avoir une grande tendance à ignorer les warnings, ce que vous faites dans plein de langages, en C, tout ça. Mais voilà, un warning, c'est quelque chose qu'il ne faut pas ignorer. Ça ne veut pas dire que vous pouvez, au bout d'un certain moment, les ignorer. Mais il faut au moins, dans un premier temps, vous dire « Ah, mais attendez, il me prévient de quelque chose. » Donc, il faut au moins que j'analyse la situation. Hein, voilà. Ça veut dire que ça peut fonctionner, mais il se dit « Méfiez-vous, hein, c'est peut-être pas ce que vous vouliez au départ. » Voilà. Donc, ce qu'il me dit ici, hein, le warning, en fait, il correspond au fait que la classe date, il me dit « Faites attention, celle-là, je ne vous conseille pas de l'utiliser, elle a des problèmes. » Voilà. Donc, ce n'est pas grave, ce problème-là, je le réglerai un petit peu plus tard. C'est ce qui était suggéré dans le sujet du TP3. Mais évidemment, le problème, c'est que vous voyez, j'ai bien réussi à construire une date, mais il me met n'importe quoi, il m'a mis je sais pas quoi. 1er janvier, et puis de l'année 3901, alors que j'ai demandé le je sais pas quoi. j'étais censé avoir demandé le 1-12-2000, voilà, donc bon, moi, je l'utilise. Voilà, elle est problématique cette classe, elle marche pas bien depuis un moment, donc on verra comment la remplacer. Ok, donc P, ça marche bien. Je dois pouvoir essayer ça sur un compte en banque. Donc, je vais pouvoir me créer un compte en banque. Alors, vous voyez, je vais utiliser une autre technique pour compte en banque. Donc, je vais me créer un compte en banque C. OK. Et puis, je vais faire un new compte en banque. OK. Ça, il n'y a rien de bien mystérieux. Ça marche pareil. Voilà. Maintenant, je peux me créer toutes les classes qui vont bien. La seule chose, c'est pareil. Il me souligne ça en rouge. Il me dit compte en banque. Je ne connais pas. Quel est le compte en banque que vous utilisez? Alors, là, ce que je vais utiliser, c'est l'import. Hein. C'est-à-dire que je n'ai pas envie d'être, comme j'ai fait tout à l'heure, humain, personne, Java, util, date. C'est super désagréable. Si je veux utiliser le raccourci, hein, il me suffit d'utiliser import. Ça me permet d'utiliser le raccourci. C'est quand même un peu plus agréable. Ce n'est pas strictement nécessaire, mais c'est juste pour vous faciliter la vie. Alors, il faut que je fasse un import de humain, point personne, voilà. Et puis, il faudra que je fasse un import de java.util.date. Voilà. Alors, vous verrez que dans les raccourcis, il y a d'autres choses qu'on peut faire. Notamment, je peux avoir eu besoin d'utiliser plein de trucs de Java Util. Hein. Alors, vous pouvez faire un import à discrétion de ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin juste de date, vous faites un import de Java Util date. Puis après, on pourra avoir besoin dans, je sais pas quoi, dans Java Util d'autres choses. Alors, il existe, vous verrez de temps en temps,
Des choses comme ça. Java utile étoile. Java.util.étoile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, j'ai besoin de plein de trucs dans Java utile et j'ai pas envie de faire une liste longue et compliquée. Je fais Java utile étoile, hop, tous les trucs seront automatiquement importés. Voilà. Donc date, liste, ArrayList et j'en passe, c'est des meilleurs. Ok. Alors mon compte en banque, ça va bien. Je vais faire un peu joujou avec lui. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un dépôt sur mon compte en banque. Je vais déposer 550 et puis je vais enlever 25. Je vais faire un retrait de 25. Voilà. Et puis je vais l'afficher pour voir si ça marche bien. Voilà. C'est bête, hein. System out println. C. Voilà. Ok. Alors vérifions. Hein, que ça marche un petit peu. Retrait 25. Bah oui. Alors, ce que je suis en train de faire, je crois aussi l'avoir mentionné, peut-être vous en rappelez pas, c'est pas très grave, mais vous voyez qu'en fait, là, mon main, il fait des trucs idiots, il fait juste des tests très ordinaires sur les classes. Donc ça, c'est quelque chose que vous rencontrerez peut-être, c'est ce qu'on appelle des tests unitaires. Vous créez une classe compte en banque. Bien sûr, vous pouvez l'utiliser dans votre code, etc. Mais avant de l'utiliser définitivement dans un code fonctionnel que vous allez livrer, et même avant de livrer ce code, il est quand même nécessaire, on peut être d'accord avec ça, de les tester, ces concepts. Hein, quand un constructeur vous vend une voiture, il l'a testé, hein, il a fait des tests crash, il a fait des simulations, il a fait plein de trucs. Et la plupart des objets, c'est pareil, ça passe à travers des batteries de tests. On ne vous livre pas le vidéoprojecteur sans avoir vérifié qu'on ne se prend pas un gros jus en l'allumant, que, voilà, qu'il est correctement isolé. Il y a des normes pour ça. Donc, la problématique des tests, de la solidité, de la sûreté d'un code, c'est quelque chose de compliqué en informatique. Hein. Néanmoins, le minimum, c'est ce qu'on appelle les tests unitaires. Le test unitaire, c'est je ne vais pas vérifier que le compte en banque il marche dans tous les contextes possibles. Mais je vais vérifier, par exemple, comme j'ai fait ici, vous voyez, ça c'est typiquement un test unitaire. Je me suis créé un compte en banque, j'ai fait un dépôt de 550, un retrait de 25. Et puis, normalement, mon test unitaire, il devrait terminer, hein, si je faisais un vrai test unitaire, par un truc du genre, est-ce que le solde, je ne sais plus comment je l'ai appelé, consulter, voilà. Est-ce que consulter, c'est 525, voilà. Alors, si c'est vrai, je devrais afficher un message test OK. Voilà, en gros, hein, c'est une version très primitive de ce qu'on appelle les tests unitaires. Donc, test OK. Sinon, test faux. Voilà. OK. Voilà. Alors, OK. Et donc, je fais else. Alors. Ah, oui, je sais bien. Ouais. Oui, je sais bien comment le corriger. Il n'y a pas de souci. Je dis juste que, justement, vous voyez, je l'ai écrit. Et puis, ben, c'est naturel. Hein, j'ai fait du copier-coller. Je ne vous reproche pas de faire ça, mais il faut faire attention. Et puis, voilà. Donc, évidemment, j'ai introduit un bug. Test pas bon, voilà, ok. Voilà. Donc ça, c'est un test unitaire, voilà, c'est typique. Vous voyez, je teste un peu, vérifie que quand je dépose 550 plus 25 avec un compte qui était à 0 au départ, eh bien, j'ai bien 525. Donc évidemment, hein, si j'exécute, le test unitaire me dit test pas bon, alors je sais pas qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il n'ait pas compris dans système out println, pardon. Voilà, test pas bon. Bon. Voilà, test pas bon. Ouah. Ok, alors test pas bon. Test unitaire, là je me dis, ok, les tests, il y a un des tests qui est mauvais, parce que normalement les tests unitaires, il y a plein de tests. Hein. Je vais tester si la classe personne marche bien, je vais tester si la classe compte en banque marche bien, je vais tester des tas de choses comme ça. Ce que je peux vous dire, je ne vais pas vous le montrer, mais il existe dans les environnements de développement Java, et ça peut être automatisé dans Eclipse, de quoi réaliser ces tests unitaires. Il y a un truc qui s'appelle JUnit, Java Unit, donc... justement pour réaliser des tests unitaires et automatiser ça. Donc quand vous commencez à exécuter votre code, il commence d'abord par exécuter tous les tests. Et puis si les tests passent, il va aller plus loin, il va livrer votre code et faire je sais pas quoi. Bon, ok. Donc là, maintenant, je sais que c'est pas bon. Alors ça, c'est aussi un truc intéressant de l'objet, c'est que si vous avez correctement structuré votre code en objet, alors, vous voyez, quand j'ai fait l'opération C consulter égale 525, ce qui est sûr, c'est que le problème, c'est dans les comptes en banque.
Hein, ce n'est pas ailleurs, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a fait la bêtise. Ça doit être dans compte en banque. Sinon, c'est que vous avez mal structuré votre code. Donc, je vais voir un peu, je vais réexaminer ça. Alors, là, c'est toujours pareil. Je suis seul à développer, je fais tout. Mais en réalité, il est rare de développer un code tout seul. On interagit toujours avec des gens. Il y a des gens qui interviennent sur différentes parties du code. Et en réalité, là, ce que je viens de faire en cliquant sur la classe compte en banque, j'ai changé de casquette. Je ne suis plus le même homme, là. Tout à l'heure, j'étais celui qui utilisait les comptes en banque, qui réalisait les tests, qui faisait ce genre de choses. Là, maintenant, j'ai changé de casquette, j'ai changé de vêtements. Je suis celui qui est responsable de la clause compte en banque. Donc, en tant qu'utilisateur, tout à l'heure, je me disais, ah, mais attendez, la clause compte en banque, elle ne marche pas. J'ai frappé à la porte du concepteur des comptes en banque. Et puis, je lui ai dit, hey, tu sais, ton compte en banque, il ne marche pas. Donc, lui, il ouvre son code. Voilà, c'est ce que j'ai sous les yeux. Il dit, attends, qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu as fait? Ah, tu as fait un dépôt de 550, ok, tu as fait un retrait de 25. Ah oui, pardon, je t'ai livré un mauvais code. Voilà, ok. Et il ne peut pas se défiler. Hein. Vous avez fait un test, vous savez que ce test est correct. Hein. J'ai fait un dépôt de 550, j'ai fait un retrait de 25 et je n'ai pas obtenu 525. Donc là, il ne peut pas se défiler, il est responsable du truc, donc il doit dire, ah oui, ok, bien sûr, c'est moi, excuse-moi. Ça a l'air anecdotique, là, la situation que je vous décris. Mais quand vous prenez un langage comme le C, ou je sais pas quoi, ou des choses comme ça, vous ne pouvez pas assurer ça. C'est-à-dire que le problème du développement en C, c'est toujours le même. Hein. Vous ne le connaissez pas forcément. Outre la difficulté du langage lui-même, c'est que comme tout est ouvert, n'importe qui fait n'importe quoi. Mais comme les êtres humains ont plutôt tendance à être lâches quand il y a un problème, la plupart du temps, quand il y a un problème, tout le monde fait « Ah, c'est pas moi ». D'accord ? Mais ça, vous voyez que dans un processus industriel, ce n'est pas possible. Hein. Quand vous livrez une voiture dans laquelle il y a un problème, il manque un siège, il manque un volant, il manque une pédale, ou je ne sais pas quoi, il y a des fuites d'essence, là, on ne peut pas dire « Non, mais attendez, tout le monde ne peut pas se contenter de lever les mains en disant « Ah, c'est pas moi !» Il faut identifier la source, pas forcément pour punir la personne, mais pour comprendre pourquoi, qu'est-ce qui a pu se passer. Hein. C'est très important quand on réalise industriellement des choses, d'être capable d'identifier où sont les problèmes, d'où ils viennent, comment les corriger, pour pouvoir éventuellement les corriger. Donc quand on essaie d'industrialiser un processus de fabrication de logiciels, le monde des objets, il est aussi fait pour ça. Donc le responsable des comptes en banque, il ne peut pas se défiler. Tu m'as livré une classe qui ne marche pas, donc débrouille-toi maintenant. Voilà. Okay. Donc je la corrige. Et puis normalement, ça va mieux, hein, je pense. Donc je clique, j'exécute, voilà, le test est OK, le solde est 525. Donc ça doit répondre à peu près à la question 1 du TP3, je vais essayer de la retrouver, hein, où on mettait la classe personne dans le package humain, la classe compte en banque dans le package banque, le reste du code dans un package que j'ai appelé principal, ça tombe bien, je n'avais même pas lu, mais je l'ai appelé comme ça. Bon, OK. Très bien. Pour les statiques. Alors, pour les statiques, voyez, ce que je cherche à résoudre, c'est des problèmes de ce type-là. Je vais essayer d'en résoudre deux, d'ailleurs. Je vais essayer d'en résoudre deux. Des problèmes avec statiques. Il y en a un premier, donc ça, ce qui est suggéré ici, c'est... j'aimerais, à un moment donné, dans mon code, connaître toutes les personnes qui ont pu être créées. Comment est-ce que je peux faire ça? Parce que mon code, il exécute des tas de fonctions, ça peut durer pendant des heures, et donc il crée des centaines, il en détruit, enfin voilà. Comment est-ce que je fais pour refaire ça? Ben alors, il y a un moyen relativement simple. C'est que ce que je sais, hein, je me rappelle bien que quand j'instancie une classe, un constructeur va être appelé. Et c'est obligé. Donc je me dis, ah, si je me débrouille, puisque à chaque fois que je crée une personne, le constructeur va être appelé, et bien dans ce constructeur-là, je peux faire quelque chose qui va me stocker l'objet que je suis en train de créer quelque part. Et j'aurais été capable de construire, en tout cas de capturer le moment où les objets sont construits, ces objets-là sont construits, et donc de les stocker quelque part. Hein ? Alors, comment est-ce qu'on fait ça ? Dans la classe personne, j'ai un constructeur des personnes. Hein ? Donc je sais que ça, c'est appelé systématiquement. OK. Alors maintenant, la question, c'est, là-dedans,
je vais pouvoir placer un code qui capture le moment où, où une personne a été créée, où la classe personne a été instanciée. Donc maintenant, où est-ce que je stocke ces personnes? Alors pour les stocker, ben, je vais utiliser un statique. Pourquoi est-ce que je vais lui utiliser un statique? Réfléchissons juste une petite seconde. Si je ne crée pas d'objet, je vais être plus spécifique. Si je ne crée pas de personne, c'est pas pour autant que la liste des personnes n'existe pas. C'est juste que j'ai une liste qui existe mais qui est vide. Donc la liste existe indépendamment d'une personne en particulier. Ok ? Le registre des naissances, le registre des mariages qu'il y a dans les mairies ou je sais pas quoi, il existe indépendamment du fait qu'il y a eu des mariages ou où il y a eu des naissances à un moment donné dans une mairie. Ok ? Si je crée une ville, au début, il n'y a personne, mais il y a quand même une mairie avec... Enfin, il y a peut-être encore aucun mariage ni aucune naissance dans cette ville. Et pourtant, le système administratif français fait qu'il doit y avoir un registre des mariages, un registre des mairies, je ne sais pas quoi, enfin voilà, ce genre de choses. Ok ? Quand on prépare une année universitaire, on commence par préparer la liste des étudiants, voilà. Mais cette liste des étudiants, au début, elle est vide. Il n'y a toujours pas d'étudiants, ils ne sont pas inscrits. Voilà. Avant qu'il y ait des étudiants inscrits, la liste existe. Elle est vide. Voilà. Donc c'est ça que représentent les statiques. Les statiques, c'est des choses qui existent indépendamment des instances de la classe. Le prénom, ça appartient à une instance. Chaque individu a son propre prénom. Ok ? Mais pour les statiques, c'est attaché à la classe elle-même. Alors, je vais me fabriquer quoi ? Je vais me fabriquer une array list. Je reviendrai sur cette question plus tard. J'ai failli écrire autre chose. Qui est la liste de toutes les personnes. Voilà. Ok ? Et ça, c'est une new array list. Voilà, je vais utiliser la syntaxe comme ça. Voilà. Très bien. Même punition que pour les champs d'instance. Hein? Donc, il y a plusieurs façons de dire ça. Hein. Il y a les champs d'instance. Donc, ça, c'est les propriétés des objets, celles qui sont liées à chacun des objets. Il y a les champs de la classe, donc qui sont qualifiés par statique. Alors, la plupart du temps, on appelle ça des statiques. Hein, c'est plus court, mais c'est des champs de classe en réalité. Alors, même chose que pour les champs d'instance, on peut les protéger. Hein. Alors, pourquoi est-ce que je veux les protéger? Toujours pareil. Hein. Si je ne protège pas mon champ liste de toutes les personnes, ben, j'ai un problème. C'est que n'importe qui va pouvoir mettre des choses là-dedans et en enlever. Et ça, je ne veux pas. D'accord? Donc, comment est-ce que je vais m'en sortir? Ben, je vais le protéger, voilà. Donc, je vais le mettre en privé, et puis voilà, et on verra. Alors, qu'est-ce que je fais quand j'ai fait ça? Maintenant, il y a une chose que je peux faire, pardon, oui. C'est que maintenant, à chaque fois que j'ai créé une personne, je vais insérer cette personne dans la liste de toutes les personnes. Voilà. OK? J'ai un nouvel objet. Et je veux conserver toutes les personnes qui ont été créées. J'ai un nouvel objet qui est une personne. Eh bien, je vais l'insérer dans la liste. Donc, je vais dire liste de toutes les personnes. Je suis volontairement verbeux. Alors, pardon, hein, j'ai une attelle en bas et donc ça m'empêche d'écrire facilement. Alors, liste de toutes les personnes, pardon. Voilà. Et puis, pour rajouter un élément dans une liste, il suffit de faire add. Voilà. Donc, normalement. Voilà. OK. Hein, rappelez-vous, un objet, il est capable de parler de lui-même. C'est important. Hein. Donc ça, c'est une phrase Java, là, qui me dit, je vais m'ajouter, moi, dans la liste de toutes les personnes. Et cette instruction, elle est placée où? Elle est placée dans le constructeur de personnes. Donc, quand je construis une personne, j'appelle le constructeur et l'objet, il fait « Ah bah tiens, je m'ajoute automatiquement dans la liste. » Je vous vois froncer les sourcils. Non, je voulais juste comprendre, en fait, c'est une question de vie, attends, mais
Pourquoi la liste de toutes les personnes, on ne la fait pas dans une classe à part? Ah, c'est une très bonne question. Donc, je vais la répéter. Il n'y a pas de question idiote. Hein, donc, ce préliminaire-là est inutile. La question, c'est, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas mis ça dans une autre classe? Oui, je n'ai pas de... Bien sûr, hein, j'aurais très bien pu me créer une classe spéciale qui est, je ne sais pas quoi, je l'appelle... registre des personnes, je sais pas quoi, registre des mariages, registre des... ce que vous voulez, registre des naissances. Là, en fait, ce que je suis en train de faire, c'est un registre des naissances, on est bien d'accord. Hein? Voilà, j'aurais pu très bien le créer ailleurs, parce que, effectivement, hein, je crois déjà aussi avoir dit ça, alors je pense probablement en aparté à plusieurs d'entre vous, mais quand on commence à comprendre comment on structure du code en Java, donc au début, on ne fait pas beaucoup d'objets. Hein. En gros, on fait du C en Java, donc on met une grosse classe avec tout dedans. Bon, ok. Donc là, l'enseignant de Java, il vous tape sur les doigts, vous dit non, 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 mais t'exagères, regarde ça, c'est personne, range ça là, voilà. Hein. Et puis à un moment, on comprend la mécanique, et là, on s'embarque dans un truc, on n'arrête pas de créer des classes. Alors on dit oui, les personnes, ils ont des prénoms. Ah oui, mais ok, bah je vais... Et les prénoms, c'est pas la même chose que des noms, donc c'est un concept séparé. C'est pas simplement des strings, c'est en fait plus compliqué, voilà. Donc je vais me créer une classe prénom, je vais me créer une classe nom, et puis après, je vais me créer une classe couleur, une classe je sais pas quoi, voilà. Et, bah alors, oui, c'est possible. Puis à un moment, vous comprenez, il y a un... Oui, il faut trouver un juste milieu. Alors, et souvent, enfin, voilà, on finit toujours par me poser la question, mais là, j'ai mis assez de classes, que j'en ai pas mis assez. C'est une question très difficile à répondre, ça dépend. Voilà. Donc l'expertise d'un programmeur objet, c'est ça en fait. L'expertise, c'est de se dire, ah non mais, où est-ce qu'il faut que je trouve la bonne balance? Il n'y en a pas dans l'absolu. Ça dépend de la qualité du code que vous voulez, est-ce que vous voulez le faire vivre, voilà. Longtemps, est-ce qu'il doit être adaptatif, voilà. Bon, donc c'est une très bonne question. C'est un code de démo, je ne vais pas non plus créer des classes à l'infini, mais bien sûr, je pourrais très bien me créer une classe registre. On peut très bien comprendre pourquoi j'aurais besoin de me créer une classe séparée, registre. Parce que tout d'un coup, je me dis, mais je vais avoir des besoins, je vais avoir le registre de, je sais pas quoi, des naissances, le registre de ceux qui habitent dans la commune, donc pas ceux qui sont nés là. Et donc, voilà, et bon, donc il me faut peut-être un concept de registre que je peux instancier. Ok, parfait. Liste toutes les personnes. En tout cas, là, j'ai résolu le problème comme ça. Donc ça, ok. Et puis, qu'est-ce que je veux pour connaître à tout instant l'ensemble des personnes? Alors, je vais le tester, vous allez voir. Je vais me créer aussi un autre service. C'est-à-dire, au même titre que dans une instance, j'ai des services pour manipuler les attributs de cette instance. J'ai retrait, dépôt, consulter pour un compte en banque. Ben, puisque j'ai placé des champs dans ma classe, je peux aussi y placer évidemment des services pour manipuler ces champs-là. Alors par exemple, je vais me faire un service ici, donc public, hein, un service public, qui n'est pas grand-chose, hein, qui va être affiché toutes les personnes. Voilà. Ok. Pourquoi pas, hein, afficher toutes les personnes. Voilà. Alors c'est tout bête, hein, c'est afficher toutes les personnes. Ça va faire quoi? Je vais prendre la liste de toutes les personnes, et puis je vais les prendre une par une, et je vais les afficher. Comment ça s'écrit en Java? For person P de la liste de toutes les personnes. Hein, c'est la façon for each, je sais pas, vous faites un peu de Python. Hein. Ouais, bon, ok. Bon, ça ressemble à des trucs du for each du Python, hein, y a pas de mystère. Donc je fais une itération, c'est ça qu'on dit. Hein. La liste de toutes les personnes, c'est une structure de données qui contient un ensemble de choses. Et ça sert à quoi ça? C'est parce que je veux retrouver ces choses-là, une par une, les passer en revue, regarder, les compter, faire des choses dessus, voilà. Donc là, ce que je veux simplement, c'est les afficher. Donc ouais, système, out, println, p, voilà. Je les affiche. Alors, je vais être un petit peu plus agréable. Je vais mettre un petit message, println. Toutes les personnes, voilà. Voilà. Et puis, un petit message de fin pour bien distinguer cet affichage-là des autres. Voilà. Voilà. OK.
Voilà. Et puis quand j'en ai besoin dans mon application, à tout instant maintenant, voilà ce que je fais, je vais demander ce service-là. Donc je ne sais pas, à un moment. Alors je vais créer mon application, je vais la modifier, je vais me créer une autre personne. À un moment donné, je vais créer la personne. Je vais l'appeler C, parce que ça va être Christophe. Voilà. Darmanja. Voilà. Lui, il habite à BBBBB. Et puis. Je vais le vieillir un peu. Voilà, je vais considérer qu'il est plus vieux que moi. voilà, ok. Bon, j'ai créé des personnes, peu importe. Voilà. Mais à un moment donné, dans mon code, j'ai besoin de savoir, j'ai besoin d'afficher. Enfin, voilà, j'en sais rien. Mais, eh bien, qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser le service tout afficher. Pourquoi j'ai appelé ça afficher adresse? Ah, attendez, j'ai pas dû sauver, je pense. Ah oui, non, c'est parce que comme c'est faux. Oui, bah, j'ai oublié de mettre des points virgules, donc il n'est pas content. Hop, je reviens. Et maintenant, il devrait me trouver le truc. Alors, personne, point. Comment ça? Il n'y a pas de confusion entre personne C et content bien C. Attendez, il râle. Ah oui, oui, bien sûr. Alors, je vais l'appeler CD. Voilà. Mais je ne suis pas sûr que ce soit ça le problème. Pourquoi il m'appelle ça affiche personne? Personne, qu'est-ce que j'ai fait? Comment je l'ai appelé mon service? Attendez. Pourquoi est-ce qu'il. Ah oui, bah oui. C'est un service statique. Voilà pourquoi il n'était pas content. Ok? Si j'avais. Comme j'ai pas mis statique, Java, il me dit c'est un truc qui ne marche que sur les instances. Moi, je veux que ce soit un truc qui marche sur la classe. Donc là, ça va changer. Je vais enfin pouvoir écrire ce que je souhaitais. Personne, point. Afficher toutes les personnes. C'est un service de la classe personne. Ok? J'affiche toutes les personnes. Et puis je peux le faire quand je veux. Hein. Donc je le fais au début, au milieu, peu importe. Voilà, ici. Pourquoi pas? Donc si j'exécute, hein, on devrait voir le truc. Donc vous voyez, au début, j'ai une liste des personnes qui est vide. Je me suis créé une personne, j'ai fait des tas de trucs, j'en sais rien. Puis tout d'un coup, j'ai affiché le truc, donc là il me dit toutes les personnes, bah j'avais créé, je m'étais créé moi-même, j'ai créé mon avatar numérique. Et puis plus loin à la fin, vous voyez, quand j'affiche toutes les personnes, j'en avais créé deux, moi, Christophe, donc voilà, je vois moi, Christophe, voilà. Ok. Ça c'est un usage très fréquent des statiques. Il y en a un autre, pour résoudre un autre problème. Vous voyez mon compte en banque, j'ai un petit souci, c'est que les comptes en banque, j'ai bien envie de pouvoir les différencier. Quand vous créez un compte en banque, vous avez un numéro de compte. Parce que deux comptes en banque ne sont pas les mêmes. Hein. Si j'ai un compte en banque à 50 euros, et puis si vous avez, vous, un compte en banque sur lequel il y a 50 euros, tel que je l'ai défini ici en Java, ils sont indistinguables. Malheureusement, vous êtes d'accord que mon salaire, je préfère le verser sur... Enfin, j'en sais rien, je ne connais pas le vôtre. Mais en tout cas, mon salaire, je préfère qu'il soit versé sur mon compte en banque. Et il est mieux pour vous que votre salaire soit versé sur votre compte en banque. Okay? Donc, en fait, ce n'est pas vrai. Ils ne sont pas interchangeables. D'accord? On a besoin de les identifier. Okay? Alors, comment est-ce que je peux les identifier? Eh bien, j'ai envie de rajouter un champ numéro de compte en banque. Okay? Un compte en banque, il va être aussi identifié par son numéro. Okay, donc je vais modifier ma classe, private int numéro, très bien. Alors le solde du compte numéro, donc je vais modifier un peu l'affichage, numéro, voilà, et solde, très bien. Et puis je vais me rajouter un petit service, je vais vous montrer après tout de suite comment faire, mais j'aimerais bien un petit service pour consulter le numéro. Je ne veux pas pouvoir modifier le numéro de compte en banque, ça on ne peut pas faire, hein. Mais par contre, je veux bien un service pour le lire. Je veux connaître, vous me donnez un compte en banque C, là, la référence d'un compte en banque, et je veux afficher son numéro. Donc, il me faut un service pour le faire. Alors ça, avec Eclipse, vous pouvez le faire. Hein, vous faites... ok. Je vais dans... je vais dans source, et vous voyez que dans source, il me fait des propositions comme, par exemple, generate getter and setters. Donc, je peux générer automatiquement du code. Vous voyez, c'est un grand standard. Vous avez un... Hein, je vous avais déjà parlé de ça. Vous avez un champ ou une propriété qui est
la couleur de la voiture, bah vous aimeriez bien manipuler cette couleur, la changer ou la consulter. Donc ça, c'est un getter ou un setter. Vous faites get pour récupérer la couleur. Ce service-là doit s'appeler get couleur. Et si vous voulez le modifier, ce service-là doit s'appeler set couleur. Alors c'est tellement standard que évidemment Eclipse vous permet de le faire automatiquement. Je sais comment je vais l'écrire ça de façon bête. Je vais faire public int, je sais pas quoi, get couleur et return couleur. Bon, alors il n'est pas fou, Java, il vous permet de le faire. Alors vous pouvez faire, vous voyez, de façon individuelle. Est-ce que vous voulez faire les getters et les setters pour tel truc? Je vais juste faire le getter pour numéro. Donc je fais generate. Et puis qu'est-ce qu'il m'a créé? Bah regardez, il m'a créé le getter qui est ici, get numéro, return numéro. Ok, c'est tellement standard que Eclipse vous permet de le faire. Voilà. Donc très bien, j'ai une classe qui est déjà bien mieux. Mais maintenant, c'est comment je crée ce numéro? Comment je fais pour le créer ce numéro? Alors vous allez me dire, oh, bah, c'est en fait assez simple. Je vais me créer. Hein, j'en sais rien, mais j'imagine un scénario dans lequel vous dites un petit peu naïvement, ce qui n'est pas une critique, hein, oh bah c'est très simple, je vais me créer un constructeur, et puis celui qui va créer le compte en banque, il va lui attribuer un numéro. Donc vous lui donnez un paramètre n, et puis vous dites, ok, numéro c'est n. Bon, mais j'ai un problème si je fais ça. Hein? J'ai un problème. C'est que ça veut dire que vous donnez à celui qui utilise la classe compte en banque la responsabilité d'attribuer un numéro. Et donc moi, ça veut dire que quand je vais créer un compte en banque, là je me place de l'autre côté maintenant, côté utilisateur, je suis donc je me crée je vais me créer un numéro, un compte en banque, donc je vais faire new compte en banque. Et puis là on me dit mais il faut vous donner un numéro. Je ne sais pas comment on les attribue les numéros, j'en ai aucune idée. Qu'est-ce qu'il faut que je mette là? 999, 3000. Donc d'abord il peut y avoir une politique particulière de fabrication de ces numéros. Vous savez que les comptes en banque qui ne sont pas attribués au hasard, hein, vos numéros, les RIB et tout ça, il y a une structure dedans. La plupart du temps, on ignore de quoi il s'agit, on s'en fout, c'est un grand chiffre, mais ils ne sont pas attribués au hasard. Et puis l'autre particularité, c'est que si vous me laissez, même si je sais comment les fabriquer, comment est-ce que je peux assurer que je ne suis pas en train d'attribuer un numéro qui existe déjà? Donc vous savez très bien qu'en fait les numéros des comptes en banque, hein, quand vous arrivez pour créer un compte en banque, votre chargé de compte, là, le personnel de la banque qui vous reçoit, il ne vous dit pas c'est quoi le numéro que vous voulez. Il vous dit je vous ai créé un compte en banque, voilà son numéro. Donc c'est la banque elle-même qui vous attribue le numéro. Hein? Donc c'est ça que je vais faire, ça veut dire qu'il y a un service à l'intérieur de la banque qu'on interroge et qui vous dit voilà un numéro de compte en banque tout frais. Donc c'est ça que je vais faire avec le statique. Je vais me cacher un service d'attribution de numéros de compte en banque. Okay? Donc je ne veux pas ça, mais par contre ce que je veux, c'est que quand je crée un compte en banque, lui soit attribué automatiquement un numéro. Alors ça veut dire que je vais créer par exemple, bon là je l'ai créé dans compte en banque, mais ce n'est pas très grave, hein. Je vais lui attribuer un service. Alors comment je vais faire fonctionner ce service? Je vais faire un truc tout idiot, hein. Le premier compte en banque que vous allez créer, il va avoir le numéro 1, le deuxième 2, le troisième 3, le quatrième 4, et on... Voilà. Vous faites ce que vous voulez, c'est pas très important. Et si je fais comme ça, ça va m'assurer que j'aurai des comptes en banque identifiés de façon différente à chaque fois. Cette problématique de générer des identificateurs, c'est un problème assez compliqué en informatique. Pour une application donnée, c'est pas très difficile. Vous faites comme vous voulez, vous fabriquez des numéros de série. Ce qui est plus compliqué, c'est, vous voyez, si vous avez trois usines qui vous fabriquent des moteurs, il faut que les usines s'entendent pour ne pas générer, voilà. Si vous avez des applications qui ont besoin d'identifier des objets comme ça de façon indépendante, c'est ce qu'on appelle de fabriquer des UUID, donc ça doit être les Universal, identifieurs. C'est une problématique, voilà. Alors, il y a plein de façons de la résoudre. Très souvent, on va se mettre à utiliser des bibliothèques pour faire ça, mais voilà. Si vous entendez parler de UUID, c'est que vous voulez des identifiants uniques, universels. OK ? Alors, comment est-ce que je vais faire ça ici ? Bah, il va me falloir deux choses. Un, il va y avoir un service, alors vous le mettez privé ou public, ça n'a aucune importance, qui va vous renvoyer get numéro
numéro frais, voilà. Hein. Donc il va me renvoyer une valeur. Et comment est-ce que je fais pour envoyer cette valeur? Bah, c'est simplement que j'ai un compteur qui est caché, quoi. Hein. Alors je vais me cacher. Oh, pardon, c'est statique, évidemment. L'attribution d'un numéro est indépendant du fait qu'on crée éventuellement un machin. Donc je vais me créer un numéro, prochain numéro, je vais l'appeler. Donc le prochain numéro, ce sera 1, je commence à 1. Et puis vous voyez ce que je vais faire, à chaque fois qu'on me demande un numéro, bah, je vais renvoyer cette valeur-là et je vais incrémenter cette valeur-là. Donc je vais faire un truc du genre return, prochain numéro, plus plus. Ok. Donc ça me renvoie 1 et puis le 1 est transformé en 2. Donc maintenant, comment est-ce que je fais donc quand je crée mon compte en banque? Eh bien, je récupère un numéro frais. Voilà. Alors pour être plus parlant, je ne suis pas obligé de mettre compte en banque ici parce qu'évidemment, comme je suis déjà dans le compte en banque, je ne suis pas obligé de qualifier effectivement l'appel de la méthode. Mais voilà, pour être un peu plus clair, c'est redondant, mais ce n'est pas très grave. Ok. Voilà, donc maintenant j'ai implémenté cette mécanique. Vous voyez, où un compte en banque, eh bien, il aura un numéro automatiquement attribué. Et moi, en tant qu'utilisateur, je m'en fous. Hein, je crée un compte en banque, il aura un numéro. Comment ça fonctionne, c'est pas important pour moi. Donc si j'exécute, maintenant ça doit marcher. Voilà, typiquement des usages des statiques. Donc j'ai un compte en banque, où est-ce qu'il est? Le solde du compte numéro 1 est 525. Alors, je devrais faire un petit test unitaire pour vérifier que quand je crée deux comptes en banque, ils n'ont pas le même truc. Voilà. Hein. Je peux refaire cette petite mécanique. Je me crée un autre compte en banque. Compte en banque. C2. New compte en banque. OK. Et puis, qu'est-ce que je... Compte en banque. Et puis, je vais juste afficher C2 pour voir à quoi il ressemble. Compte. Voilà. Donc le compte, il doit être identifié par C2, il doit avoir 0. Voilà. Le solde du compte 2 est 0, donc je peux créer autant de comptes. Est-ce que j'aurais pu mettre cette génération des identificateurs dans une classe pour faire une question un peu symétrique? Oui, parce que j'aurais peut-être bien pu vouloir identifier de façon uniforme les comptes en banque, les personnes, les je sais pas quoi. Hein. Voilà. Donc oui, bien sûr, pas de souci, placez ça où vous voulez. Dans des cas simples, les statiques suffisent. Dans les cas où vous voulez être plus explicite et faire apparaître explicitement un objet générateur d'identifiant, bah ok, pas de problème, mettez-le dans une classe et séparé de comptes en banque, ok. Ça me va bien. OK. Donc ça, c'est en gros les statiques qui sont ici. Afficher tous les comptes, je l'ai fait. Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi c'était indiqué dans l'item 2, mais ce n'est pas très grave. Le point qui est important ici maintenant, pour avancer en Java, c'est que j'ai fait des choses complètement séparées ici. J'ai des personnes, j'ai des comptes en banque, et on voit bien où je veux en venir. Je veux créer un système qui est un peu plus réaliste où des comptes en banque puissent être associés à des personnes. Dans un sens ou dans l'autre, j'en sais trop rien, c'est pas très grave. Ici, on va pas se fatiguer sur des choses très compliquées, mais voilà. J'aimerais au moins pouvoir associer un compte en banque à une personne. Comment est-ce que ça marche? Comment est-ce que je peux faire ça? Il va falloir que je modifie la classe personne. Alors, il y a plein de façons de faire ça, hein, mais une façon relativement simple hein, et assez triviale, c'est de rajouter des choses. C'est-à-dire que, comment est-ce que je vais faire ça? Je vais peut-être essayer de vous le faire comprendre ici. Voilà. Quand j'écris un truc du genre personne P égale new person, j'ai essayé de vous dire à plusieurs reprises que ça, c'est pas P n'est pas une personne. P est une référence vers une personne. Et quand je dis quelque chose comme ça, je vois bien qu'il y a une espèce de lien. Il y a un lien entre P et l'objet personne. Je désigne quelque chose. Hein, donc je le dessinais sous la forme d'une flèche. Vous vous rappelez, je faisais une case P. Et puis je disais que dans la case P, il y avait une flèche qui m'amenait vers la patate qui représentait personne. Donc en fait, je faisais un lien entre P et puis personne.
Donc en fait, cette mécanique-là, des références, elle me permet de représenter simplement des liens. Et la chose que je suis en train de faire, là, quand je dis que dans le main, j'ai créé un P qui me permet de désigner une personne, bah, je suis en train de faire le lien, en fait, entre, d'une certaine manière, le main et des objets qui existent par ailleurs. Je dis, tiens, à ce moment-là, le main, il connaît une personne. Comment il la connaît ? Bah, parce qu'il a une référence qui la désigne. OK ? La personne, elle n'est pas dans le main. Hein. Mais dans le main, j'ai un truc qui lui permet de désigner la personne. J'ai créé un truc dans le main qui est P, une variable locale, qui est une référence, qui à ce moment-là me désigne une personne qui est... Voilà. OK ? Donc j'ai représenté un lien. Donc maintenant, si je veux établir un lien entre une personne et un compte en banque, très simple, il faut que dans ma personne, j'ai quelque chose qui me permette de désigner un compte en banque. Donc je vais créer dans la classe personne. Qu'est-ce que ça veut dire créer quelque chose qui me permet de désigner un compte en banque ? Donc je vais peut-être le mettre ici, c'est la partie que je vais appeler lien ou relation. Le bon terme, c'est relation. Ben, je vais me créer quoi ? Compte en banque. Pardon. Compte en banque. Son compte. Voilà. Quand j'ai fait ça, alors bien sûr, il râle parce qu'il faut que je fasse l'import de compte en banque, banque, voilà. Donc il m'a fait l'import en haut, voilà, très bien. Qu'est-ce que ça fait, ça ? Ça veut dire qu'il y a maintenant un champ dans la classe personne, OK, qui s'appelle son compte et qui pourra éventuellement désigner son compte en banque. Je dis bien éventuellement, parce qu'il faut que je dise quelque chose là-dessus. Quand je dis qu'il... Il y a une question, oui ? Oui, tout ça. Je n'ai fait qu'en rajouter. En gros, la partie intéressante, c'est ça. Ok. Alors, il y a une chose qui est très qui peut être troublante. Hein, quand on crée des champs dans une classe ou quand on crée des champs dans une structure en C, on peut vouloir dire des choses très différentes, en fait. Vous voyez que quand j'écris... Alors, je vais peut-être le mettre en private, on verra plus tard. Hein. Mais quand j'écris private string prénom, private date de naissance, qu'est-ce que j'avais voulu dire quand j'ai fait ça ? J'avais voulu dire qu'en fait, c'était un attribut de la personne. Cette date de naissance, elle lui appartient. Voilà. C'est vraiment un truc qui est interne à elle. OK ? Comme vos organes, quoi. Hein. Vous avez votre foie, il est à l'intérieur de vous. OK ? Par contre, compte en banque, hein. J'ai envie d'exprimer autre chose. Le compte en banque, il n'est pas à l'intérieur de vous, le compte en banque. Hein. Mais il y a un lien entre vous et un compte en banque. Et c'est ça que je suis en train d'exprimer. Alors, ce qui est surprenant, c'est que ça prenne la même forme syntaxique. Je déclare un champ. C'est pour ça qu'il faut distinguer dans le discours champ, attribut, relation. Quand je parle d'attribut et de relation, je dis des choses qui sont différentes. Un attribut, c'est des choses qui me sont propres. OK ? Combien j'ai de doigts, je sais pas quoi, ce que vous voulez, quelle est la couleur de mes cheveux, OK ? Ce genre de choses, c'est des choses qui me sont propres, d'accord ? Qui me sont vraiment attachées, enfin c'est indétachable de moi. Et il y a des choses qui me lient à l'extérieur, les amis que je connais, les choses que je possède, les choses que je manipule, etc. Donc, les choses qui font partie de moi, c'est ce qu'on appelle des attributs. Ma couleur de cheveux, ma pointure de chaussures, ça, c'est des attributs qui me définissent. D'ailleurs, en réalité, je suis défini par l'ensemble de mes attributs. Okay. Pour un compte en banque, c'est, je ne sais pas quoi, le solde, les autorisations possibles, les assurances qui sont liées à ce compte en banque. Pardon. Okay. Je ne sais pas quoi, faudrait réfléchir à ce que c'est que ce que sont les attributs d'un compte en banque. Mais il y a aussi, donc ça c'est ce que j'appelle les attributs, mais il y a aussi pour chacun des objets, parce que les objets en tant que tels ne sont pas intéressants. Un objet tout seul, il ne fait rien, hein. Il ne sert à rien. Les objets sont intéressants parce qu'ils agissent les uns avec les autres, et c'est ça qui rend le monde intéressant, c'est qu'on agit avec les objets. Hein.
Si vous êtes tout seul dans votre grotte, la vie est quand même nettement moins riche que... Ok? Il n'y a rien dans la grotte, il n'y a pas d'objet, bon, bref. Donc ce qui fait qu'un système fonctionne, c'est justement que tous les objets soient assemblés d'une certaine manière, se connaître et soient liés. Le moteur, il est attaché à la carrosserie, il agit sur je sais pas quoi, la transmission, voilà, je simplifie, mais voilà. Il y a des liens. Bon, par contre, le siège conducteur, il n'est pas du tout attaché au moteur. Donc il y a des objets définis indépendamment, d'ailleurs on les construit indépendamment, on les assemble, on les lie les uns avec les autres. Et donc là, c'est pareil, j'ai personne, compte en banque. Et il y a un moment, je veux dire dans mon application que ces choses-là peuvent être reliées. Donc voilà, ce que j'ai fait ici en écrivant private, compte en banque, son compte, c'est que je suis en train de déclarer une relation. Donc je la sépare bien des attributs. Donc ici, la terminologie objet, c'est attribut. Malheureusement, en Java, il n'y a pas de moyen de distinguer syntaxiquement un attribut d'une relation. Ça prend la même forme syntaxique, mais c'est comme ça. Voilà. OK ? Donc là, j'ai les attributs et là, j'ai les relations. Donc souvent, on essaie de les séparer un peu, on essaie de l'expliquer parce que c'est des... Voilà. Alors, très bien. Et puis, ces relations, on peut bien sûr les manipuler. Hein. Donc, vous voulez connaître le compte en banque d'une personne, bah, vous allez avoir un service qui s'appelle... qui vous renvoie un compte en banque et qui s'appelle GetCount. Voilà. Donc vous avez une personne, vous voulez connaître son compte en banque, vous faites get compte. Ok. Alors, je reviens sur le point important, encore, et j'ai des choses à vous dire. Je pense qu'il y a plein de choses que je ne vous ai pas dit sur les références. Je ne sais plus trop d'ailleurs. C'est un peu lointain. Mais une référence, hein, ça peut ne rien désigner. C'est ça qui est important, ça représente un lien. Mais il peut ne rien avoir à désigner. Alors, une image assez fréquente, bon, on a un peu tous oublié ça, je regrette, mais je suis sûr que vous connaissez comme ça. Avant l'invention des smartphones, nous avions des carnets d'adresses. Voilà. Je suis assez vieux pour avoir connu ça. Donc, on avait un truc papier, hein, avec des onglets A, Z, et puis on inscrivait le nom de la personne, son numéro de téléphone et ou son adresse, enfin, quelques petites infos comme ça. Quand j'ai un carnet d'adresses, quand je l'achète, il est vide, mais c'est pas qu'il n'y a pas de page. Il y a des pages avec des entrées. Hein. Il y avait des pages avec des entrées qu'on pouvait utiliser. Donc vous voyez bien qu'il y avait des entrées qui étaient vides et qu'on pouvait remplir. C'est exactement ça que je suis en train de faire. Et quand on remplissait dans un carnet d'adresses, hein, en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on établissait un lien. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut voir. Une référence, c'est un lien, en fait. Et ce lien, il peut être vide ou il peut représenter quelque chose. Donc quand je mets son compte ici, je suis simplement en train de dire qu'il y a un lien. Je ne dis pas qu'il est vide ou pas. Comment est-ce qu'on sait qu'un lien est vide? Bah, si une référence ne désigne rien, bah, c'est que le lien est vide par définition. Voilà. Donc comment est-ce que je fais pour être... Je peux le rendre explicite, hein, mais voilà. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait dans le... Je vais y arriver. Pardon. Qu'est-ce que j'ai fait dans le constructeur? J'ai... initialiser, je vais y arriver, bon, tous les attributs. Je mets son nom à une certaine valeur, son prénom à une certaine valeur, son adresse à une certaine valeur, sa date de naissance à une certaine valeur, je me débrouille, j'en passe et des meilleurs. Hein, donc ça, c'est initialisation des attributs. Voilà. Mais il faut aussi que j'initialise les liens. C'est important. Si je construis pas bien les objets, voilà, ils sont pas dans un état raisonnable. Donc si j'ai initialisé initialisation des liens, des relations, je vais dire, voilà, le vrai terme c'est relations, continuons à utiliser relations. Ben, 10 points, alors c'est quoi ma relation? C'était son compte. Et là, ce que je veux dire, c'est que quand je crée une personne, elle a pas de compte en banque. Hein. En général, quand quelqu'un naît, il a pas de compte en banque. Hein. On crée ensuite un compte en banque, on lui associe si on veut, mais voilà. Donc, je veux exprimer le fait qu'il n'en a pas de compte. Alors, pour ça, il y a un mot-clé de Java particulier qui est nul. N-U-2-L. Ça veut juste dire que vous avez une référence, mais qui, ça ne désigne rien. Elle existe, cette référence. Hein. C'est une case.
que vous allez pouvoir utiliser pour désigner un autre objet, mais pour l'instant, ça ne désigne rien. Alors attention, hein, c'est dangereux. Bah oui. Parce que si vous avez une case qui ne désigne rien, vous allez être tenté quand même d'essayer d'accéder à l'objet. La case existe, donc vous allez tenter d'accéder à l'objet qui va derrière. Mais cet objet n'existe pas, par définition. Donc on verra ce que ça va faire, je vais vous montrer. Ok ? Bah non, c'était un paramètre. Donc en fait, quand j'ai créé la classe personne, rappelez-vous, hein, je fais un new person et puis je mets JB, Younes, machin. Donc je transmets des informations qui vont être stockées à l'intérieur. Ok. Alors maintenant, il y a une autre mécanique que je dois mettre. Hein. J'ai créé la classe personne, elle n'a pas de compte en banque. Comment est-ce que je fais pour lui associer un compte en banque? Bah, au cours de sa vie, il y a une opération spéciale, on peut lui ajouter un compte en banque. Ok. Donc je vais le faire. Ça veut dire que pour une personne donnée, il y a un moment, une opération add compte en banque. Voilà. Si vous nous donnez un compte en banque, je vais y arriver, C, bah ça va devenir son compte. C'est aussi bête que ça. Simplement, c'est une opération, vous pouvez le voir comme une initialisation qui était déférée dans le temps. Hein, je crée l'objet personne. Ce champ-là, au début, il est nul. Donc ça veut dire que cette personne-là n'a pas de compte en banque. Et puis, plus tard, on lui donne un compte en banque. Il est devenu majeur, il a droit au je sais pas quoi. Enfin bref, j'en sais rien, mais on lui a donné un compte en banque. Ok ? Ok, et puis, alors, bien sûr, qu'est-ce que je vais faire? Alors, attendez, je vais aussi rajouter un autre service. Si vous avez une personne, vous pouvez connaître son compte en banque. Donc, vous avez une espèce de getter, bien sûr. Donc là, je vais le faire à la main. Compte en banque, get compte en banque. Et ça fait return son compte, voilà. Hop! Alors, on va tester ça. J'ai mis toute la mécanique, elle est bien. Donc, voyons voir. C'est très simple. J'ai tout ce qu'il faut. Donc là, on va tester. Je vais mettre test des relations. OK. Donc là, j'aurais peut-être pu mettre ici ces tests individuels. Individuels. Des classes. Donc, test unitaire. Là. Ok. Et puis là, je vais faire des tests et relations. Donc maintenant que j'ai des objets, que je sais que ça marche bien, bah, je vais dire, tiens, donc je veux associer, tiens, j'ai une personne, j'ai Christophe, et je veux lui donner un compte en banque. Je vais le rendre pauvre. Donc je vais lui donner le compte en banque à zéro, là. Bah, qu'est-ce que je fais, hein? Je fais add compte en banque et je lui attribue ces deux. Voilà. Ok. Et puis maintenant, je peux regarder. Bien entendu, faire un truc complètement. Alors, systemout.println. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre Christophe. Imaginez qu'il s'est placé plein de trucs entre temps. Hein. Je veux savoir combien il a d'argent, Christophe, sur son compte en banque. Donc, je fais CD. Je récupère son compte. Je regarde combien il y a dessus. Alors, ça s'appelle consulter, je crois. Voilà, très bien. Voilà. Zéro. Donc ça, c'est une phrase Java hein, qui est assez classique. CD, get, compte, consulter, c'est assez clair, quoi. Hein. Je récupère l'objet qui est désigné par CD. Ah, ok, bon, allez, je raccourcis un petit peu. Je prends Christophe, je récupère son compte et je consulte. Ah, j'ai le résultat qui va bien. Maintenant, on peut faire un petit test. Si jamais je modifie ces deux et que je fais... C'est de... je vais déposer 100 dessus, et puis je vais refaire la même opération, on va bien voir si ça marche. Hein. Bah, ça marche. Puisque j'ai modifié C2 et que C2 était associé à Christophe, donc quand j'ai récupéré le compte de Christophe, j'ai bien récupéré les 100. Ok ? Donc Christophe a un compte en banque, il peut faire joujou avec, voilà, on peut faire joujou aussi, hein.
La banque, de temps en temps, vous voyez, là, elle est représentée par le main. Elle ajoute des sous de temps en temps à Christophe sur son compte ou elle lui en enlève, j'en sais rien, peu importe. Mais... Ok? Là, j'ai fait une relation entre des objets. Alors, j'ai un autre problème maintenant. Regardez bien ce qui va se produire ici. Ça, c'est très important. J'ai commencé à établir des relations. Vous l'avez déjà eu probablement d'une certaine, à un moment ou à un autre, je crois pour certains d'entre vous. Qu'est-ce qui se passe si je prends... Alors, attendez, je vais renommer parce que je vais l'appeler P, je vais l'appeler JBY, comme ça, tranquille. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qui se passe si je fais la même chose avec JBY, avec moi? J'ai eu le droit d'écrire CD get compte consulté. Ça a marché. CD est une personne. Ok? Ah oui, le problème, c'est que j'ai... Non, mais vous voyez bien le problème. Oui, je sais bien. Logiquement, vous allez me dire, mais de toute façon, il n'y a pas de compte. Soit erreur, soit CD. Soit le compte de CD. Mais non, ça ne peut pas être CD. Non, il va dire nul. Vous voyez bien qu'il y a un problème. Le problème, il est... Alors, bon, alors il y a un problème, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a première chose, c'est que je tente d'essayer de regarder le compte en banque de Jean-Baptiste, alors qu'en fait, Jean-Baptiste n'en a pas. Non? Alors, c'est ça l'ambiguïté. Il y a de quoi établir un lien, mais le lien n'a jamais été établi. Voilà. OK? Donc, si j'exécute, donc c'est autorisé à écrire. Hein. Java, il ne peut pas savoir. Il ne peut pas deviner qu'il n'y a pas de compte. Parce que j'ai dit que dans toute personne, il y avait un service pour récupérer des comptes. J'essaie de le récupérer. J'insiste bien sur le « j'essaie ». Donc Java, il me dit « bah oui, si, faites get compte ». Et puis maintenant que j'ai récupéré le compte, une référence compte, j'essaie de le consulter. Le problème, c'est que get compte, il peut me renvoyer un nul. Des fois, il me renvoie un compte en banque, un vrai, donc c'est bon, je peux faire consulter. Mais des fois, il me fait un nul. Donc, qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? Grand classique, vous récupérez une erreur qui n'est pas détectable à la compilation. Vous ne pouvez pas le savoir à la compilation. Le seul moment où vous pouvez le savoir, c'est à l'exécution. Il se trouve que vous avez essayé de consulter le compte en banque d'une personne qui n'en a pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Java, il vous dit, exception, dans le main, null pointer exception, voilà. Donc ça, celle-là, vous y aurez droit. Hein. Personne n'y échappe. Hein. Il y a toujours un moment où ce bug débarque en Java. Hein. Donc ça, c'est très clair. Au moins, vous voyez, il me dit, Eclipse me dit, bah, c'est en ligne 42. Donc je vais cliquer sur la ligne 42. Il me dit, hop, 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 c'est là. Il m'amène directement là-dessus. Il me dit, JBY, get compte consulté. Alors la ligne peut être un peu plus complexe, mais je peux me poser plein de questions. Les questions que je dois me poser, c'est 1, JBY. Est-ce que lui-même, c'est nul ou pas? Ah, JBY, c'est une référence. Peut-être que JBY ne représente rien. Si c'est pas nul, est-ce que GetCount me renvoie un truc qui est valide? Si GetCount me renvoie nul, bah, je ne peux pas consulter. Donc faites attention. Hein. Le service GetCount, malheureusement, tel qu'il est fabriqué ici, il peut me... Voilà. Donc je devrais prendre soin hein, de protéger ça par... if, je sais pas quoi, jby.getCount, différentes nulles. Voilà, bah, j'affiche le compte, sinon je l'affiche pas, et puis c'est tout. Voilà. Ok? Alors maintenant, je vais essayer de rendre les choses un peu plus agréables. J'ai modifié, souvenez-vous, hein, l'affichage de la classe personne. Jusqu'à présent, quand j'affiche une personne, c'est tout bête, hein, c'est toString. Qu'est-ce qu'il fait? Son nom, son prénom, son adresse, sa date de naissance. Ah, j'aimerais faire un truc un peu plus subtil. Si en plus il a un compte en banque, j'aimerais afficher le numéro du compte et le solde. Pourquoi pas, hein? Bon, mais maintenant j'ai bien le même problème. C'est qu'il est tout à fait possible que cette personne n'ait pas de compte en banque. Bon, bah, je vais le tester. S'il a un compte, je l'affiche. S'il n'a pas de compte, je ne l'affiche pas, et puis c'est tout. Donc, je vais essayer de le faire.
Alors, je vais dire string s, voilà. Et puis, je vais faire une espèce de truc comme ça. Je vais dire, ah, mais si il a, si son compte est nul, c'est qui? Ou plutôt, si son compte est différent de nul, ben, je vais l'afficher. Sinon, ça sert à rien. Donc, si son compte, pardon, si son compte est différent de nul, ben, je vais dire que c'est... et son compte est... Voilà. Et à la fin, je renvoie S. Voilà. Donc, quand je demande à afficher une personne, j'affiche son prénom, suivi de son nom, suivi de, je sais pas quoi, son adresse, sa date de naissance, et s'il a un compte, son compte en banque. Donc, on va tester ça. Alors, ça, tout va bien. Et donc, je vais recommencer l'affichage ici de, à la fin, là, de Christophe qui a un compte en banque et de moi-même qui n'en a pas. Voilà. On va voir ce que ça donne. Si je fais ça. Voilà. Donc, vous voyez que l'affichage à la fin, j'ai bien Christophe, tac, 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 qui a un compte. Bon, l'affichage du compte, il est pas bien, mais c'est pas grave, mais numéro 200. Alors que pour moi, hein, j'ai juste l'adresse et la date de naissance, et j'ai pas de compte, donc le compte n'est pas affiché. Mais pour faire ça, j'étais obligé d'introduire une logique. Est-ce que la personne a un compte en banque? Est-ce qu'elle en a pas? Est-ce que. Voilà. Voilà. Hein, ok? Mais c'est pas forcément quelque chose qu'on peut contrôler à la saisie. Une personne peut avoir un moment un compte en banque, elle peut ne pas en avoir, ça peut changer. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une relation, c'est vivant. Au cours de votre vie, vous avez des amis, il y en a qui disparaissent, pas forcément parce qu'ils meurent, mais voilà. Vous vous fâchez, donc ce ne sont plus des amis, vous les enlevez de votre carnet d'adresse, et puis c'est comme ça. Donc, une relation, c'est vivant. Donc le malheur, c'est que, bien entendu, du point de vue du code, bah, il faut sans arrêt, on va être dépendant. Est-ce qu'il a un compte en banque? Est-ce qu'il n'en a pas? Est-ce que je sais pas quoi? Est-ce qu'il a des amis? Combien? Est-ce qu'il habite quelque part? Est-ce que, j'en sais rien, vous voyez. Est-ce que la voiture, elle a un GPS? Est-ce qu'elle n'en a pas? Qu'est-ce qu'on fait différemment? Vous voyez bien que le système informatique de la voiture, voilà, qui contrôle la voiture, il vérifie des tas de choses comme ça, quoi. Hein? Bah, il fait des choses s'il y a un GPS, il n'en fait pas s'il n'y en a pas. Et puis, donc, il y a bien, voilà. Donc, il y a bien de quoi faire en sorte de converser avec un GPS, mais s'il n'est pas là, on ne le fait pas. Donc, c'est exactement ça que je suis en train de faire quand je dis, ah oui, bah, s'il n'a pas de compte, s'il a un compte, je fais quelque chose. S'il n'a pas de compte, je fais autre chose. Voilà. Donc, j'aurais très bien pu dire, s'il n'a pas de compte, bah, je lui dis, c'est un pauvre, voilà. S plus égale na... pas de compte, voilà. Peu importe. Ça n'a aucune importance. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Il y a de quoi représenter. Donc, en fait, une référence, c'est ça qu'il faut comprendre. Ça, ça fait quoi une référence? Oui, ça représente un lien, une relation. Ok? Enfin, en tout cas, ça peut être utilisé pour ça. Alors, je vais faire même mieux. Hein? Enfin mieux, je vais faire encore un autre truc. Donc bien sûr, à Jean-Baptiste, je peux lui associer n'importe quel compte en banque. Hein. Le compte en banque C, ça marche, il n'y a pas de souci. Hein. Vous voyez, par exemple, je peux faire zby.addcompte. Oh, je vais y arriver. Add compte en banque, je lui associe le compte en banque C. Et puis après, je regarde qu'est-ce qu'il a comme compte en banque Jean-Baptiste, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, il n'a pas de compte. Puis après, il a un autre compte. Il a un compte qui est le numéro 1, qui a 525. Et puis après, je peux même lui enlever. Hein. Si je veux lui enlever son compte, c'est facile. Hein. Je peux faire JBY, add compte en banque, nul. Voilà, il n'a plus de compte. Très bien. Voilà, il a un compte, il en a un. Voilà. C'est vivant. La relation est vivante. Hein? Jean-Baptiste existe. Le compte en banque existe, mais la relation qu'il y a entre les deux, elle évolue dans le temps. Ok ? Alors, je peux même faire d'autres choses. Hein. Si je veux faire un compte joint,
Donc je vais me paxer avec Christophe. Ben, je vais me donner le même compte que Christophe. Il n'y a aucun souci. Pourquoi pas? Si je fais ça, je vais avoir le même compte que Christophe. Voilà, hop. Il y a un seul compte en banque associé, pour lequel il y a deux personnes qui sont associées. Vous voyez que Christophe, il avait le compte numéro 2. Et puis moi, tout d'un coup, j'ai aussi le compte numéro 2. Ben pourquoi pas? C'est pas un problème. Bon, j'ai pas demandé l'autorisation à Christophe. Mais... Ok? Donc les objets existent. Il y a des emplacements pour représenter des relations. Vous faites ce que vous voulez. Ok? On peut, vous et moi, avoir le même ami. Il n'est pas dupliqué, hein. Il existe en un seul exemplaire, mais voilà. On a une relation, chacun d'entre nous a une relation établie avec cet ami qui est partagé. C'est exactement ça que je suis en train de faire avec entre le compte en banque, c'est... Alors, je dis entre le compte en banque, c'est deux. Non. Entre le compte en banque désigné par ces deux et la personne désignée par JBY et la personne désignée par, CD. Donc, je vais le dire de façon courte parce que c'est lourd, mais voilà. J'ai C2, c'est le compte en banque partagé entre JBY et CD. Voilà. La phrase est un peu longue, on ne va pas l'alourdir plus, mais il faut être conscient qu'il faut l'alourdir systématiquement en disant que tout ça, ce sont des liens. Donc faites attention, dès que vous établissez des liens et des références, il peut y avoir des nuls, et il va falloir gérer cette question-là. Est-ce que le lien existe? Alors, ça, c'est l'étape d'après. Je crois qu'il y a une question comme ça. Voilà. Alors, hop, modifier cette relation de sorte qu'une personne puisse posséder plusieurs comptes en banque. Hein? Ben ouais, c'est très facile en fait. C'est au lieu de mettre. Alors, je vais y arriver. Au lieu de mettre. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'au lieu de mettre son compte, c'est une liste. Alors, allons-y. Donc, son compte, c'est une liste. Alors, où est-ce qu'il est son compte? Là. Donc, je vais changer ça. Le type de son compte, d'ailleurs, son compte, c'est mal nommé, c'est ses comptes. Voilà. Array list de compte en banque. Voilà. Alors, bien sûr, il faut faire attention, il va falloir initialiser ça. Alors, c'est plus get compte, mais get compte au pluriel. Ça renvoie une array list. Voilà. Ça change légèrement, hein, évidemment. Il pouvait avoir qu'un seul compte en banque maintenant. Maintenant, on veut qu'il puisse en avoir plusieurs. Donc, il faut changer légèrement tout ça en nommant bien les choses. Il y a le constructeur. Hein, je suis en train de changer un champ. Quand je change un champ dans une classe, tout de suite, il faut que j'aille voir partout. Hein, les getters, les setters, les constructeurs, les affichages. Donc, son initialisation des relations, son compte. Donc, c'est ses comptes. Alors, bien sûr, attention, c'est pas nul. Qu'est-ce que je dois mettre ici pour l'initialisation de ces comptes? Je réfléchis. Ces comptes, ça désigne une liste compte en banque. Si je mets nul ici, ça veut dire qu'il n'y a pas de liste. Ce que je veux, c'est une liste vide. Ce qui n'est pas pareil. Hein. Dire j'ai pas de liste et dire j'ai une liste vide, c'est différent. Je crée une liste vide. Hein? Oui, c'est parce que j'ai mis compte en bas. Hein? Comment j'avais créé une liste de personnes vides, rappelez-vous, là j'avais mis new array list de vide, bah voilà. Donc si je veux une liste vide de compte en banque, new array list compte en banque, c'est une liste vide. Donc attention, hein, c'est pas tout à fait la même chose de mettre nul ici et de mettre une liste vide. Hein. Si je mets nul, il n'y a pas de liste. Ok, alors get compte en banque. Qu'est-ce que j'ai. Pourquoi j'avais pas changé ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que c'est compte en banque? On va oublier ça. Ça, je m'en fiche, j'en ai plus besoin.
Add compte en banque, du coup, c'est son compte, c'est ses comptes. On va lui en rajouter un. Donc, il en a un nouveau, ses comptes, C. Voilà. On lui donne C comme un nouveau compte en banque, mais il l'ajoute dedans. Alors, c'est C.add, pardon. Je vais y arriver. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Compte en banque, get compte, c'est compte. Voilà. Et puis, l'affichage, peut-être. Voilà. Donc, l'affichage, c'est plus compliqué. Il faut afficher tous les comptes. Bon, bah, on va faire for. Alors, du coup, ça, je peux le faire hein, directement. C'est en fait, je vais faire for compte en banque. C'est dans ses comptes. Et puis, on va modifier. Pardon. On va modifier. Et un compte. Et je sais pas quoi. Je vais rajouter son compte comme ça. Ça ira très bien. Et c'est. Voilà. Donc, on prend tous les comptes et puis on les rajoute à l'affichage. C'est tout. Alors, hop, bien sûr, je fais des tas d'erreurs. Compte en banque, c'est compte. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'il n'est pas content ici? Oui, j'ai oublié de fermer ici. Voilà. Donc, on affiche son prénom, son nom, son adresse, sa date de naissance. On prend tous les comptes. Et on va chercher leur affichage et on le rajoute à cet affichage-là. S'il n'y en a pas, ça ne fera rien. S'il a 36 comptes, tant mieux. Donc, je vais tester ça. Et puis, on fera une pause. par exemple, donc JB, je vais rajouter ça. Bah, JB, je vais lui mettre un deuxième compte en banque. Par exemple, je vais lui rajouter le compte C. Ok. Alors, il faudra que j'enlève quelques tests quand même. Je préfère éviter ça. Bah, il avait déjà C. Voilà. Donc, ça devrait marcher. Alors, j'ai une erreur encore qui traîne. C'est où? C'est get. Ah oui, bien sûr, je ne peux plus consulter les comptes comme ça. Hein, parce qu'avant, je pouvais avoir qu'un seul compte. Il fallait. Alors, j'en sais rien. Je vais prendre get compte. Je vais oublier ça. On s'en fout. Ces tests-là n'ont plus lieu d'être. Puisque j'ai changé le service. Mais peu importe. Voilà. Donc à la fin, qu'est-ce que j'ai? Ben, vous voyez que Jean-Baptiste, il a le compte numéro 1 et le compte numéro 2. Bon, il me faudra un service pour enlever son compte, on peut lui supprimer son compte, etc. Mais voilà, l'association, rappelez-vous, hein, quand je crée une liste, donc c'est juste ça pour terminer avant la pause, hein, quand je souhaite créer une liste, enfin, pardon, quand je crée une liste, quand j'écris quelque chose comme ça, voyons, où est-ce qu'il est? Voilà. Quand j'écris arrêt liste de compte en banque, ce n'est pas une liste de compte en banque, c'est une liste de référence vers des comptes en banque. Voilà. Donc ça va établir des relations. Ok? Ce que je vous suggère, c'est qu'on fasse une pause. Alors ne quittez pas vos trucs à distance, parce que comme je n'ai pas fait de screenshot de qui était là ou pas, ça me permettait d'habitude de faire l'appel à distance. Restez connectés, mais on se retrouve dans 15 minutes à midi. Hein? Ça marche. On va mettre le partage en pause, c'est ça. Voilà. Arrêtez de partager. Et donc là, je passe le screenshot. Sache que je suis parti pour arriver avec 45 minutes d'avance. Hein. Ah oui. Alors qui c'est qu'il y a? Une demi-journée. Est-ce que c'est possible d'enregistrer ton HP? Vas-y. Et réseau pareil? Ouh, réseau par contre, c'est pas pareil parce que en vrai, en PHP, t'as déjà tout fait. Il n'y a pas de bourrage de crâne. Tu vas juste t'entraîner à la main, tu vois. Ouais. Faut juste que tu t'entraînes 10 fois à faire le même truc à la main. Réseau, je sais qu'on a tous suivi de la même façon avec les 3 premiers chapitres. C'est du bourrage de crâne, frère. Enfin, faut que tu filtres. Genre, tu vas sauter des 15 slides parce qu'il va te parler de câble pendant 20 minutes. Ça va pas être monsieur le logique. Ouais, non, ça va, genre, enfin, du coup, à part ça. Bah après, si t'es vraiment déter, oui, tu vas te faire du bourrage de crâne pendant
C'est genre, j'ai pas encore touché. Moi, je te demain. Je te dis, lis d'abord avant de dormir. Lis une première fois l'ensemble avant de dormir. Ok, ce soir, déjà, je fais ça déjà. Quand tu fais ça, filtre les titres. Ok, et demain, je ferai le reste. Ok, c'est bien. C'est déjà la limite, j'ai dû regarder les vidéos une nouvelle fois. Enfin, j'ai eu la regarder. Ah ouais, bah, je vois les vidéos quand même. Ah ouais? Ah, pleinement. Franchement, ça aide. J'ai lu son cours, il parle français. Ouais, c'est vrai. Ses cours, ils sont toujours carrés. Mais il parle français. Les vidéos, quand même, c'est quelque chose. Ah, il y a 2-3 trucs où il parle plus trop français, genre. Quand il... Mais sinon, il pleure quand tu. Ça fait 2 mois que je cherche à savoir ce que c'est qu'un chêne. Genre, vraiment, je vais comprendre le livre. Vas-y, on descend. Yuba, je l'ai déjà. Pourquoi est-ce que j'avais déjà? Il est 2 fois, d'accord. Manuali. Manuali. Ah oui. Sami Mandi. Baoline. Il y a Ravindra qui est là. Eli, Dastoun, alors elle est là, Ousmane, il y avait Richard aussi tout à l'heure, je l'ai vu, il a disparu. Ousmane, il est là, alors qui est Amadi? Ah oui, c'est un. Oh putain. Okay. Et il me manque Amine. Mais si, Amine. Amine, pourquoi? Je déconne ou quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je suis là, monsieur. Oui, oui, je sais. Non, mais il n'y a pas de souci. C'est sur ma liste, je comprends pas. J'ai dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Oui, alors il y en a un qui est double. Alors pourquoi est-ce que vous n'avez pas mis sur le coup? Bon, je sais pas. Allez, hop. Comment est-ce que j'ai pu vous oublier? Ne vous inquiétez pas, si je parle dans ma barbe, qui est sous mon masque. Voilà. Par contre, j'ai pas Richard. Je l'ai vu au début tout à l'heure, mais il a disparu.
Thank you.
Trop de folie.